Oui, il faut couvrir ses extrémités et il faut aussi être bien équipé. Ah, ben, ça, c'est... Et vous savez que ma passion de vie, c'est un petit peu de vous dégoter des nouveautés, des choses sympas, des et choses... pratiques, surtout faciles surtout à mettre, qui nous stressent pas. Et là, je trouve cette chose qui est vraiment la chose que j'aurais adoré avoir pour mes enfants, ouais. C'est-à-dire un vêtement de portage. Parce qu'alors bien souvent, on a le porte-bébé et le vêtement qui vient se mettre par-dessus. On a le t-shirt de peau à peau que j'ai longtemps présenté. Et là, on a ce t-shirt dans lequel on va pouvoir porter son bébé de 3,5 kg à 10 kg. Mais c'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de mettre la main en dessous, là. Le bras en dessous. Regardez, Albéric ne tombe pas. Alors, ce qui se passe, alors, pour tout petit, il y a des t-shirts de portage, ça existait, c'est Mama's Fashion qui faisait ça, jusqu'environ 3-4 kilos. Donc, on n'avait plus de solution après que de passer au porte-bébé. Et cette fois, avec Mama Eng, alors ça sort en janvier, j'ai vraiment l'exclu pour vous, c'est un sweatshirt à l'intérieur duquel on va pouvoir venir glisser son bébé à la manière d'une écharpe. Il y a deux pans, un premier ici et un deuxième ici, qui sont cousus dans le t-shirt. Donc là, évidemment, tout est Ecotex, etc. Donc, on va pouvoir l'installer tranquillement. Regardez en dessous. Hop, il est dans une super bonne position. Ah, d'accord. Mon petit Albéric. Et là, on va pouvoir le porter super. Non, mais ça, c'est tout génial. Contre soi. C'est extraordinaire. Donc, il y a énormément de vêtements qui sont proposés. Vous verrez ça. Ça a été déposé. Il n'étouffe pas, là. Non, on ne l'étouffe pas du tout. J'ai remonté un petit peu. Et alors, c'est un t-shirt qui va pouvoir ensuite être utilisé en allaitement. Oui, j'ai emmené Benjamin. Car j'avais aussi Mannequin cabine. De vous présenter Boomy. Boomy, je ne sais pas si vous en souvenez. Je l'ai montré il y a 2 ans. C'était un projet. Ah si, on s'en souvient très bien. C'était un insert de manteau. Et la c'était marque... un mardi, non ? Oui, c'est ça. C'était ça. La marque a réussi donc à créer son modèle. Un insert de manteau qui va vous permettre, si vous n'avez pas envie d'investir dans un moyen, une cape de portage ou un manteau de portage, c'est quelque chose qui va venir se clipser. Je peux vous toucher un peu, Benjamin ? Non, profitez pas. Pouvez le tâter. Qui va venir se clipser, vous le voyez, sur n'importe quelle veste. Donc, vous emmenez votre bébé. Alors là, j'ai le modèle classique. Il y a aussi un modèle imperméable, bien entendu, pour ceux qui vivent comme moi, dans une région où il peut un petit peu beaucoup. Et vous allez l'installer. Votre bébé va être bien au chaud, bien protégé. Et puis, quand vous avez fini de le déposer, eh bien, hop, vous remballez, vous mettez ça dans votre sac à main et vous avez votre veste par-dessus. C'est vachement bien. Très chaud, très sympa. Made in France. On merci, est hein, Marie. Merci, mon petit mannequin c'est cabine. Bon vous pouvez encore disposer. Besoin de moi non, ça au revoir, Benjamin. Vous pouvez regarder votre match de foot. Vous êtes bien sympathique. Ensuite, des autres petits accessoires, des moyens de portage. Vous les connaissez. Généralement, je vous montre beaucoup de porte-bébés physiologiques. J'avais envie de vous montrer les nouveautés de chez June 22. Pourquoi ce sont donc June 22, c'est une spécialiste du sling. Le sling, c'est la petite écharpe sans nœud. C'est-à-dire que pour les gens un petit peu comme moi qui ne sont pas fanatiques de faire des nœuds, qui n'ont pas le temps, pour les tout petits, on va pouvoir. Parce qu'on rappelle qu'il y a quand même des tutos pour faire des nœuds, donc il faut être quand même assez tout à fait. Alors, parfait, je vais peut-être pas m'encombrer parce que j'ai un milliard de pans et le micro va succomber. Mais voilà, les nouveaux coloris, en fait, l'intérêt de ce type d'écharpe, donc de sling, c'est qu'on va pouvoir l'ajuster au bébé tout petit. On va pouvoir le porter tout contre soi. Ah, je le fais quand même. Hop là, on va pouvoir l'installer. Vous voyez ces coloris qui sont sublimes. Regardez, c'est hyper joli. D'autres. C'est pareil, ça se glisse dans un sac à main. On peut porter n'importe où, n'importe quand, garder son bébé contre soi. Et évidemment, c'est bio. Évidemment, c'est made in France. C'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Ensuite, on parlait tout à l'heure du portage hivernal. Vous connaissez les capes de portage. Je voulais quand même vous en montrer deux que j'ai trouvé super sympas, des nouveautés également. La Néobulle, qui est très très bien. Pourquoi ? Parce que, donc, encore une fois, Made in France, on les adore chez Néobulle. Ils font un produit là qui est vraiment anti-vent, anti-pluie, fourré, moumouté, polaire. On l'adore. On va venir le placer sur n'importe quel porte-bébé. Ils sont compatibles avec tous les porte-bébés. Ça évite, encore une fois, l'achat d'un manteau de portage. Et surtout, regardez-moi, ces petites popoches pour le porteur. On va pouvoir les mettre là. Si vous avez des enfants plus grands en portage, je vous laisse montrer, Agathe, la couverture Lucky de chez Maman Naturelle. Celle-là, c'est un best-seller. Pourquoi ? On l'utilise partout, en portage ou sur la poussette. Elle est aussi hyper chaude, hyper sympa pour les grands froids. Et là aussi, vous avez vos petites mains, tout doux, vous êtes porteur, pour glisser vos mains dedans. C'est tout doux. Ouais, c'est vraiment super. Je termine avec ce que j'ai montré brièvement et que je voulais vous remontrer la dernière fois. Ce sont les chaussons de portage de chez Many Months. On les trouve chez les petits baroudeurs ou chez Maman Naturelle aussi. Ils sont en polaire, ils sont très hauts, ce qui permet vraiment de protéger. C'est pour rejoindre ce que disait Chauve-Socona, c'est qu'il faut protéger leurs extrémités. Tout à fait, il faut vraiment protéger les extrémités. L'avantage, là, c'est qu'on a vraiment un chausson qui remonte très haut, ça va protéger les jambes. Donc là, on va être très, très bien. Et puis, bien entendu, le capuchon que je présente systématiquement, mais j'insiste vraiment là-dessus. En plus de protéger la tête du bébé pour éviter la déperdition de chaleur, on va protéger le thorax et la poitrine, ce qui va éviter toutes les affections pulmonaires. On valide. Marie, oui. Je crois que là, on a fait un tour, non pas exhaustif, mais très complet. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les gestes, les bons gestes de puériculture pour changer ou habiller un enfant, retrouvez les tutos de tous nos experts, la maison des maternelles.fr.